Wallis, c'est une petite île du Pacifique Sud peuplée de 10 000 habitants. Elle constitue avec Futuna, une île voisine, un territoire français d'outre-mer doté d'un statut très particulier. C'est une monarchie dans la République. C'est un grain de beauté. C'est petit. C'est tellement immense. C'est un grain de beauté, Wallis. On fait ce trajet-là, qui arrive sur le Japon, qui redescend sur la Nouvelle-Calédonie, et on arrive à Wallis, qui se trouve là. Wallis, c'est plutôt là, à côté. Wallis, c'est plutôt là. Donc on est à côté des Fidji, Tonga, Samoa, les îles Salomon, c'est tout un secteur, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, en dessous. Apiuti Iva, qui vit en France, à Lourdes, où il est rugbyman, est venu rejoindre sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Là, on est en compagnie de mon père, qui a fonction comme ministre de la Santé ici à Wallis. Et aussi mes deux petits frères et le petit neveu. Et tous les matins, c'est toujours comme ça. On donne d'abord à manger aux cochons avant d'attaquer la journée. Et c'est tous les jours comme ça. Il y a le papa qui vient de me dire, le cochon, c'est sacré, c'est pour la coutume et pour la famille. Et si une famille n'a pas de cochon, ou un couple qui n'a pas de cochon, tout le monde se moque par rapport à eux. Et s'il y a une coutume sans cochon, ça veut dire que ce n'est pas un vrai Wallisien. Donc c'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure que le cochon, c'est sacré pour la coutume et pour la famille. Quand je suis parti en France, on en avait beaucoup. On en avait beaucoup des cochons. Et lors de l'intronisation de mon père, on en avait tué beaucoup. Mais il y a aussi, dernièrement, il y avait la première communion. Et ils ont tué beaucoup aussi. Ton papa, il est responsable de l'organisation coutumière. Oui. En fait, en premier lieu, il y a le roi. Et après, il y a les 6 ministres dont fait partie mon père. Ouais. Après, il y a les 3 faipoulés, les 3 chefs de district. Et après, c'est les chefs de village. Et c'est eux les gardiens de la coutume. Depuis des générations et des générations. Et s'il y avait quelqu'un, il y a beaucoup dans sa maison, on partageait à quelqu'un qui n'avait pas à manger. C'est ça le geste de la coutume. Dans les chefs coutumiers et la chefferie, espère garder toujours cette façon de vivre, car c'est une vraie fraternité pour nous. Le palais royal est vide depuis près d'un an. Le roi de Wallis, le Lavellois, comme on dit ici, est mort au mois de mai 2007 et son successeur n'a pas encore été intronisé. Apiuti découvre la tombe en compagnie de son cousin Michaele, qui est un des petits-fils du roi. Là, ce sont des photos en 93, quand il a été vacciné à Paris, au Val-de-Grâce, pour une période d'un mois. Voilà. Et à droite, c'est une photo de toi, alors. Voilà, en 88, avec le grand-père, en pleine discussion, en début de soirée. Ouais. Voilà.
Est-ce que tu parlais de ton pays à tes collègues, enfin, est-ce que c'était... Oui, tout à fait. Oui, mais tu leur parlais quand même de cette histoire de royauté, que tu étais petit-fils d'un roi, comment ça... Non. Jamais. Enfin, la plupart des collègues, ils avaient cette soif de savoir beaucoup plus et comment c'est possible que dans une république, il existe encore une royauté et de surcroît française. Et donc je leur disais qu'il y avait un roi avec une chefferie coutumière et des chefs de village et ainsi de suite. C'est un système pyramidal traditionnel, mais qui existe et qui tient la route. Le pouvoir du roi, comment on pourrait le définir? Et c'est quoi le pouvoir du roi? Vous parlez avec un villageois qui n'aura fait ses études qu'ici et arrêté au certificat d'études primaires. Sa réponse sera presque catégorique. Le roi, c'est le seul qui gouverne ce pays. Vous parlez à quelqu'un qui a passé ses études à l'université, la réponse est déjà autre, différente. Sa réponse sera que nous sommes sur une terre française qui aura accepté en 1961 son système ancestral de chefferie et bien sûr avec un regard particulier, un regard de faveur, une faveur particulière envers la mission catholique. Dans la vie quotidienne, sur le plan pratique, le Wallisien répond mieux quand même au chef coutumier que par rapport aux politiques ou aux élus en général, dans le sens où il n'a pas connaissance de tout ce qui se décide au niveau de l'administration et des politiques. Quand je suis au travail, j'ai l'impression d'être dans la République. Travail rémunéré, salarié. Hors de mon travail, je suis dans le monde de la coutume. Et le dimanche, à partir du samedi, je suis dans le monde de l'Église, de la prière. Et c'est pour ça que je dis, par moments, j'ai l'impression d'être trois personnes. Non. On est à la chapelle de Ahoa, dit Lulu Kanahi. Là, son chef de village c'est Fakate. Et là, nous sommes en compagnie de vieux, des sages et des gens du village. Ils sont en pleine construction, ça fait 3 ans. Et là, ils sont heureux, comme vous voyez tous. Ils sont tous très contents de construire cette chapelle en mémoire des anciens. En fait, t'habites sur Ahoa, et pour mériter ta part de terre de Ahoa, tu dois donner un coup de main pour le chef de village, mais t'as pas de revenus à la fin. Avant de partir en France, je faisais partie de ceux qui ont posé juste la toiture. Et en fait, ça fait plaisir de revenir et voir la toiture posée. Et tu vois les difficultés. Les matériaux, ils ne sont pas là. Ils ont pas, comme en France, on n'a pas de matériaux de sécurité pour faire ce genre de travail. Et je remercie l'architecte Sosefo Heafala. Avec les connaissances qu'il a, c'est peut-être qu'un don que Dieu lui a donné. Mais au niveau d'études, il n'avait rien. Cette petite chapelle, c'est en pierre taillée, tout en pierre taillée. Mais j'ai pas de plan. Toute la tête.
dans la tête. Pas de plan, c'est moi le calcul. Et moi, j'ai fait les mesures pour pouvoir, pour les tôles et tout le matériel. Lolina Iva, qui est la sœur de Apioti, travaille au lycée de Wallis. Elle fait donc partie des 15% de la population qui ont un travail salarié et dont les revenus doivent faire vivre tous les habitants de l'île. La coutume, c'est notre identité, on peut dire. Donc c'est notre fierté. Donc, j'espère que ça va durer de très, très longues années. Parce que c'est magnifique, même si c'est cher. Même si ça a ses contraintes partout ailleurs. Hein, la vie a ses contraintes. Donc, la coutume pour nous, c'est un peu une contrainte. Mais c'est notre fierté. On est fiers de la pratiquer. La vie est chère et puis c'est vrai que si on n'avait pas nos cultures, déjà, l'élevage, c'est sûr que, et la pêche, c'est sûr qu'on ne s'en sortirait pas. Parce que même nous qui travaillons, on a quand même du mal à croiser les deux bouts. Mais c'est vrai que la vie, elle est trop, trop chère ici. Mais on a quand même, disons que le peu qu'on a, mais on arrive quand même à vivre une vie admirable. Et, Nous sommes au Falefono de Aroa. C'est le lieu de réunion des villageois pour discuter de tout ce qui concerne la vie quotidienne de la commune. Le but principal de ce village, c'est la bénédiction. Et là, pour, ils vont faire aussi, ils vont discuter aussi pour les offrandes pour la grande chefferie, comme c'est la période de fin d'année. Il y aura Fakate, les Langeki, hommes et femmes, les sages du village, hommes et femmes, et les gens et les jeunes du village. C'est Fakate qui va discuter, il va donner son point de vue, et ça dépendra des Langeki, des sages du village et des gens du village. Mais tout le monde ne va pas parler. C'est un sage du village et un Langeki qui vont prendre la décision pour tout le village. Et c'est Fakate qui prendra la décision à la fin, s'il est d'accord aussi. Pour Apioti, comme pour tout Wallisien, le premier geste de la coutume, c'est la cérémonie du kava, un rite ancestral fondateur de la société wallisienne. Le kava, c'est une infusion de racines d'une espèce de poivrier aux vertus relaxantes. Sa préparation, comme sa distribution, obéissent à un cérémonial immuable qui accompagne la plupart des réunions de la société traditionnelle. Aujourd'hui, il s'agit de préparer la distribution des offrandes de la population de Matautu, la capitale de Wallis, à tous les ministres coutumiers. Quand même.
Kotwatamai, le ministre de la Santé, est le premier à recevoir les offrandes et les honneurs de la cérémonie du Kava. Moi, je suis parti il y a 24 ans. Et donc, en revenant, j'ai toujours regardé ces images de la vie habituelle du Wallisien au moment où je suis parti d'ici, hein, où j'ai quitté Wallis, pour la métropole. Et donc, je me suis dit que pour me réadapter au plus vite, j'ai pas d'autre solution que de faire mon parc à cochons et d'essayer de préparer une plantation à la locale. Un champ traditionnel, quoi. Des tarots, des capés, des ignames, mais un peu de tout, quoi. Je suis revenu en tout 5 fois en 24 ans, en permission, et donc pour revoir un peu la famille me ressourcer un peu localement, quoi, comme on dit, en permission, quoi. Et ton retour ici, alors, qu'est-ce que tu as l'impression ? C'était très, très dur. Je vous le dis, honnêtement, c'était très, très dur. Mika, je pense, aurait dit la même chose. Hein. Parce qu'il faut un temps de réadaptation. Déjà, on est parti à 20 ans. Donc, on pensait retrouver Wallis de nos 20 ans. Et puis, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a eu une évolution. Il y a des choses qui ont changé. Et puis, au fur et à mesure, ça fait quand même une sorte de cassure, on a des déceptions, on est un peu nostalgique de ce qu'on avait connu. On veut toujours retrouver ce pays qu'on a idéalisé en ayant vécu pendant des années en métropole. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que quand même tous les Wallisiens sont propriétaires de leurs terres, ont une terre. Je pense que c'est la plus grande richesse qu'on a encore actuellement, d'être propriétaire de sa terre, de son île. On a un statut qui nous préserve ça également, hein, qui nous sauvegarde des investissements extérieurs qui risquent de modifier ou de changer les habitudes locales. On a toujours cette peur, cette hantise de tout perdre au niveau de la tradition. Si la tradition, c'est la vie communautaire, je soutiens le fait qu'il faut quand même garder notre identité. Et la garder, même s'il faut la faire évoluer, parce que cette identité, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous diffère des autres. Même si on est français, français wallisien. On n'est pas français tout court, on est français wallisien. Et c'est ce côté wallisien qu'il faut absolument, qui est toujours collé au mot français, qu'il faut absolument préserver pour garder notre différence, parce que bah, y a rien de plus beau quand on a plusieurs couleurs. Yeah.
la suite d'un décès, toute la famille de Apiotti s'est réunie pour préparer les obsèques et les offrandes qui les accompagnent. C'est quoi? C'est ton des bonnes années. Bonne année. Oui. Pour faire joli. Ça rafraîchit le... Là, après, on va faire... chalumeau. Faire doré avec de l'huile. L'huile de cochon. Juste pour la coutume. Faire le respect. Et là, le cochon, tu l'amènes à qui, là, alors? Ça, c'est la famille au décès. Il y a combien de cochons, là? Il y a cinq ou six. Six des cochons, là-bas. Il y a d'autres cochons, là-haut? Oui. Chez eux. Il n'y a pas que nous. Au total, une douzaine de cochons seront offerts à la famille du défunt, qui les redistribuera à son tour dans son entourage. Compte tenu du nombre sans cesse croissant de cochons élevés à Wallis, les noix de coco qui servent à leur alimentation sont de plus en plus difficiles à trouver, même dans les endroits les plus inaccessibles de l'île. La coutume est quand même assez lourde à Wallis. Ce qui paraît lourd, c'est le fait que à toutes les occasions d'événements, événements familiales ou paroissiales ou villageoises, mais on est obligé de participer. Enfin, on se sent obligé de participer. Et donc, maintenant, j'ai quand même plus ou moins réussi à faire admettre à ma famille, par exemple, pour mon cas personnel, que on est quand même obligé de limiter la participation à ce genre d'événement, et, enfin matériellement hein, parlant, et aussi bien financièrement, parce que on risque de mettre la vie de sa petite famille, de son foyer en péril. Ça, c'est un bon souvenir aussi, Jean. Quand il a fini. Il a sculpté le trône. Il avait 30 ans.
C'est son père qui a amené la République française sur le territoire de Wallis et Futuna. Lui, il a été intronisé avec Perinato Fuluhea. Ouais. Ancien roi aussi. Léoné Mulcahamé a été roi au temps des Américains. Suivi après de Perinato Fuluhea. À Perinato, il y a 3 ans, il avait régné pendant 3 ans. Et aussi à Capelele Tofeli aussi, 3 ans. Et Léoné Mulcahamé, c'était 5 ans. Oui, oui. Thomasy, c'est le premier roi qui a régné quand même... 49 ans. Il veut juste que le prochain roi soit comme son père, qu'il aime en premier son pays et deuxièmement sa population. C'est ça son vœu et son souhait. Et c'était aussi le vœu de son père pour la suite. Les discussions sont trop difficiles parce qu'il cherche au fur et à mesure comme le bon Dieu, c'est le créateur. Et sur la terre, il faut un roi. Il faut la bénédiction du Dieu pour le roi et sur le roi après de donner à son peuple. Et c'est pour ça que c'est trop difficile parce qu'il cherche un homme comme ça qui a du bon cœur pour son peuple et son territoire. Donc actuellement, là, qui est-ce qui discute pour choisir un nouveau roi ? Ah oui, oui. Traditionnellement, ce sont les familles royaux qui en discutent. Mais le mot final, ça appartient à la chefferie actuelle. C'est-à-dire les ministres, les chefs de district et les chefs de village. Puisqu'actuellement, Wallis, même un chef de village, comme là actuellement, on a un chef de village, il est aussi issu d'une famille royale. Vous voyez un peu comment on est arrivé là. Donc c'est vraiment toute la population. C'est toute la population qui y participe. Ce n'est pas une question que ça appartient à une famille royale, non. Puisque les familles royales, ils sont mariés même avec des gens qui ne sont pas nobles. Et avant que la mission catholique est arrivée, le roi, les souverains, il avait plusieurs femmes. C'est une forme de démocratie particulière, tout le monde... Voilà. Une démocratie qui est bien, cette démocratie, puisque tout le monde y participe. Regardez un peu les travaux. Lorsqu'il y a des travaux d'intérêt pour un village, c'est tout le monde qui participe. Il n'y a pas de rang. On a travaillé dur toute la semaine. Et on n'avait rien pour les construire. On n'avait pas de budget, on n'avait rien, on n'avait pas de capital. Et on avait demandé des lettres aux ressortissants de Hawa qui sont à Nouméa. Ils nous ont aidés. D'ailleurs, lors de la bénédiction, ils vont être là aussi, ils vont venir pour la bénédiction. Depuis qu'on nous annonce, voilà, on va bâtir une chapelle, ben, tous les Wallisiens, surtout nous les gens de Ahoua, ben, on se prépare depuis ces années-là. Parce qu'il te faut, si au moins, en tant que Wallisienne, nous, on dresse les nattes. Et si tu as fini ta natte et il y a quelqu'un qui est décédé, une personne du village, ben tu es obligé, surtout moi, comme mon mari il est le chef de village, je pourrais prendre la natte qui est déjà finie pour emmener là où il y a quelqu'un qui est décédé. Vous en avez combien de nattes comme ça? Il y a une centaine plus les nattes du dimanche. Ça, on appelle la grande natte avec les trois bouts de laine, là, les trois rangées de laine dessus. Ça, c'est les sissis. Oui. Ça, c'est
Ça, c'est pour les invités, ça. Quand on distribue les nattes. Les invités, plus un collier parfumé. Regarde les fleurs là, que vous portez. Et voilà le holo. On accompagne avec la natte. Quand il n'y a pas le holo dans la natte, ce n'est pas la vraie coutume. Il fait 100 mètres. Comment nos grands-mères ont mesuré de leur temps, ça fait qu'on a imité. Ce sont les mesures de l'Antiquité. Comme on est en train de se préparer pour la bénédiction de la chapelle, ben tout le village se prépare tous les soirs pour les répétitions de danse traditionnelles. Au fond des fonds, tu mets du feu dedans? Des cailloux. Des cailloux? Cailloux. Tanné. Oui. Sans bon. Sans bon après. Il y a aussi les colliers. Oh, c'est bon pour les colliers. Le collier. Ah oui, c'est un ramasseur pour vous. Oui. À l'occasion de toutes les fêtes familiales, ce sont les hommes qui préparent le repas dans le four traditionnel, le houmou. Yeah.
Wallisiens de Nouvelle-Calédonie viennent d'arriver au Falefono de Haroa. Ils sont plus d'une centaine à avoir fait le voyage pour participer à la bénédiction de la chapelle dont ils ont financé la construction. À l'occasion de cet après-midi de danse, un des gestes les plus symboliques de la coutume, l'échange de dons et de contre-dons. Chacun reçoit de l'argent pour le redistribuer à son tour, rappelant ainsi la solidarité nécessaire à la survie de la société traditionnelle. Les mairies, c'est ça là. Les fruits à pain. Ça c'est les tarots. Ça c'est les petits cochons bien cuits quoi. Comment est-ce que tu as choqué pour ça? Ça c'est les... encore les fruits à pain. Ça c'est les ignames. Les ignames. Ce sont des œufs aussi. Respect familial, c'est toujours le même rituel comme avant. Les jeunes respectent les anciens, la sagesse, les sages. Quoi. Et ça, ça me fait plaisir. Ça m'inspire plus vraiment de retourner. Car en voyant ma famille, et surtout mon père, et en plus c'est moi l'aîné, il n'y a plus personne chez nous. Et ça ne me tente plus de partir.
la grande chefferie est rassemblée autour des trois piliers du pouvoir. L'évêque incarne le pouvoir de l'Église catholique, allié de la grande chefferie depuis l'arrivée des missionnaires sur l'île. Grâce à la générosité de tous. Le premier ministre qui tient le rôle du roi par intérim et le préfet de la République seront côte à côte tout au long de la journée. Image forte d'un partage du pouvoir unique dans la République française. Grâce à vos efforts continus, peu à peu, vous avez pu élever cette chapelle et en faire une belle demeure pour le Seigneur. Construire une chapelle, c'est quelque chose d'important pour une communauté. Ce pouvoir est sans doute fragilisé par l'absence du roi, dont la désignation se fait attendre depuis le mois de mai 2007. Est-ce que vous pensez que l'intronisation de nouveau roi va contribuer à pérenniser ce système ? Je pense. Et si j'entends bien tous les Ziliens qui se sont exprimés par rapport à cet issue-là, personne ne veut se détacher de cette structure, de cet outil millénaire. Hein. Tout le monde sent que c'est quelque chose qui représente une chance pour nous, surtout dans cette vie commune que nous avons avec la République. Hein. Tout le monde est conscient, je dirais, de son importance. Pour nous qui vivons dans la réalité, bien sûr, on se sent français, mais le fait que nous continuions à posséder nos terres, hein, à avoir la maîtrise pratiquement de tout, nous fait sentir que nous sommes encore bien souverains dans notre île. Est-ce qu'on sait quelque chose de la façon dont se fait la recherche de nouveaux rois ? C'est plutôt dans le silence que ça se passe. C'est les doyens et les chefs de famille qui se rassemblent ici et là à leur temps. Et voilà, même moi-même, je n'ai pas grand connaissance de tout ce qui se passe. De temps en temps, quelqu'un de ma famille qui m'appelle. Mais ça ne concerne, l'information qui est passée ne concerne que la famille. Donc ça se passe... Tant que ce n'est pas passé auprès de la chefferie actuelle, je peux dire que rien ne s'est encore ficelé. La cérémonie du Cava est sans doute le moment le plus important de la journée. Elle rappelle à la population rassemblée face à la chefferie de l'île la place et le rôle de chacun dans l'organisation de la société coutumière. En l'absence du roi, la première coupe est pour le premier ministre. La seconde est pour l'évêque. Puis viennent les membres de la chefferie, dont Fakate,
le chef du village qui a construit la chapelle. Puis Fotou Tamay, le ministre de la Santé. La dernière coupe sera servie au préfet représentant l'État français. Quand même un grand rêveur en ayant quelques souhaits pour l'avenir de Wallis, parce qu'on ne sait jamais, dans une république on va peut-être arriver à des changements, ou avec le fait que c'est un territoire d'outre-mer, on ne sait jamais ce qui peut arriver et ce qu'on peut attendre par la suite. En sachant que ce sont des royautés, ce qui n'est pas compatible avec l'organisation d'une république. Mon ressenti actuellement, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer, c'est une femme, Wallis, c'est une femme qui attend un enfant, qui va mettre au monde un enfant, quoi, je sais pas. C'est un peu moi aussi, mon portrait a une projection de moi-même sur le tableau. Et puis dans son contexte culturel qu'il faut absolument sauvegarder, parce que c'est son identité. C'est le portrait de... c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on voit. Une île qui attend... qui attend quelque chose qui va arriver.